C'est son dernier tournoi en tant que junior, une nouvelle occasion de briller pour Corentin Moutet qui jouera peut-être demain dans la cour des grands, qualifié pour disputer avec l'équipe de France les phases finales de la Coupe Galéa. Le jeune espoir tricolore se verrait bien décrocher à La Rochelle avec ses deux coéquipiers le titre de champion d'Europe des moins de 18 ans. Pour la suite, il a déjà son idée. Là, je m'entraîne au CNE à Roland-Garros. C'est un endroit voilà, où il y a plein de joueurs qui sont passés en tant que centre d'entraînement pour le professionnel. On est entouré de l'élite, de temps en temps on a la chance de taper avec des professionnels comme Tsonga, Gasquet, qui viennent s'entraîner une ou deux semaines. Moi j'essaie de suivre leurs traces en m'entraînant là-bas. Je suis en formation encore, donc il y a forcément tout à améliorer je pense. Que ce soit physiquement comme tennistiquement, j'ai du progrès à faire partout. 10e mondial chez les jeunes, 330e au classement ATP, Corentin qui a commencé le tennis à 3 ans y consacre aujourd'hui tout son temps. Un joueur armé pour le haut niveau, dit de lui le capitaine des Bleus. Il a participé au tournoi du Grand Chelem. Là, il participe à cette magnifique compétition qui est la Galéa, qui est la petite sœur de la Coupe Davis. Donc en termes d'expérience et de parcours, il n'y a pas mieux que de participer à des compétitions comme ça pour se préparer et en tous les cas être armé pour le grand circuit. Il a un coucher de balle qui est supérieur à ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le circuit. Après, avec effectivement un caractère qui peut jouer des tours, mais aussi qui en fait aussi sa force. Jusqu'à mercredi, les matchs vont s'enchaîner sur la terre battue du Tennis Club Rochelet. 8 nations s'affrontent cette année. On souhaite aux Français la même réussite que l'an dernier en terminant sur la plus haute marche du podium.